cette discipline sportive avec, bien entendu, des acteurs, 6 acteurs, 5 joueurs. Et accompagné de son de Issouf Koulibaly, le premier adjoint au maire de la commune. Je vous pouvez, s'il vous plaît, j'appelle monsieur Issouf Koulibaly, le premier adjoint de la commune, maire de Sidon-Bonne-Fondon, avec Jonathan Morrison. C'est une compétition qui est belle, sous le parrainage de la mairie de Yopougon. Jonathan Morrison est le premier adjoint au maire de la commune de Yopougon, monsieur Issouf Koulibaly. On immortalise avec les photographes. C'est un événement heureux. C'est un jeune de pleine initiative, accompagné par la dynamique de la ville de Yopougon, qui parraine cette manifestation et cette cérémonie de lancement. Merci de votre présence, distinguée. Alors, on vous l'avait dit, Jonathan Morrison et la mairie de Yopougon ont fait plaisir à cette belle commune pendant un mois. Oui, à partir du mois d'août, le 13, eh bien, belle compétition qui va s'engager. Et avec, donc je laisse confier la suite. La suite, on va permettre à Titi Collet de s'apprêter le temps que les journalistes immortalisent le moment. On va demander à Titi Collet de se préparer. Et on va donner également le discours de présentation de l'événement Tintin 2022, la toute première édition. La conférence de presse a lieu à Fouria Palace. Aujourd'hui, nous sommes au Fight Club, bien sûr, pour le tirage au sort de l'événement. La région va monter le son, on revient juste après. Là-bas. Quand on le regarde à l'est et à l'ouest, parce que le monde est plus visible. Faut pousser, on ne voit pas le camp. Alors, encore lui, c'est la pluie. Il faut que. Voilà. Très bien. Allô. Allô. Attends. Allô. Allô. En fait, je sais, là, ça monte plus. De Alors, on a fini d'immortaliser avec les photos. Nous remercions vivement la grosse famille de Yopougon.
et son maire résident, son excellence Youssouf Koulibaly, le directeur de cabinet et toutes ces personnalités distinguées de la mairie de Yopourou. Merci d'avoir cru à ce projet. Et vous n'êtes pas, vous savez que le mois de juin, c'est le mois des vacances, le mois le plus normal d'animer sainement vos jeunes dans votre commune à Yopourou. Et Jonathan Robinson a initié ce projet. Merci de l'avoir accompagné. Toute la jeunesse de Côte d'Ivoire vous remercie, car cet événement est en direct sur tous les réseaux sociaux. Oui, tous les réseaux sociaux sont à l'écoute de cet événement initié par Jonathan Robinson. Alors, avec sa permission, pendant que toute la salle est là, remplie dans cette salle assortie, Jonathan Robinson, normalement, doit se lever et expliquer un peu pourquoi ce projet et quelles sont les attentes pour Tchétchen 2022 avec le parrainage de cette grande commune qu'est Yopourou. Jonathan Robinson, s'ouvre l'applaudissement, s'il vous plaît. Jonathan Robinson, s'ouvre l'applaudissement, s'il vous plaît. Bonsoir à tous. J'espère que vous allez bien. Excusez-moi. Alors, d'abord, merci. Merci à tout le monde d'être venu. Merci à la mairie de Yopourou. Merci au maire, premier adjoint, à toute l'équipe de la mairie. Je sais que vous m'entendez. Merci à tout le monde. Je n'ai pas l'habitude de prendre la parole en public comme ça. Essayez de comprendre les gens. Alors, je vais pas préparer le speech parce que c'est plus fort que moi. Voilà, je sais pas comment vous expliquer ça. J'ai essayé de préparer un speech, mais je ne vais pas publier. Je ne vais pas laisser quelqu'un le préparer pour moi parce qu'ils ne sauront pas expliquer ce que je ressens réellement. C'est pour ça que je suis venu, j'ai dit, je vais juste laisser parler pour eux. D'abord, après la mairie, je vais dire merci à toutes ces anciennes grandes du football et même les récentes pour le soutien. Merci à maman, Brigitte et la famille du Big pour leur soutien. Merci à toutes ces personnalités qui sont là. Je ne peux pas citer tout le monde, mais surtout, merci à toute la jeunesse ivoirienne qui me soutient de près ou de loin. Merci, merci à tous. L'applaudir. Il est gagné par l'émotion, comprenez-le. Il est jeune, il est plein d'ambition. Voilà, merci. Alors, le Tchétchen 2022. Le Tchétchen 2022 est un tournoi de maracana professionnel. Nous avons décidé de le rendre le maracana professionnel parce que le maracana est comme une culture pour nous en Côte d'Ivoire. Et c'est la moindre des choses de le rendre professionnel. Alors, le Tchétchen 2022 est organisé et développé par le CAM, qui est le comité africain de maracana, que nous avons mis en place. Et normalement, la compétition devrait débuter aujourd'hui, mais pour des raisons professionnelles, nous avons reporté la date du début de la compétition pour le 13 août. Alors, merci et aussi désolé à tous ceux qui étaient prêts pour venir regarder le match aujourd'hui. On vous promet que le 13 août sera le match de l'issue à Yopourou au terrain Tchétchen. Là, nous allons commencer la construction du stade dès la semaine prochaine. On a calé la date pour le lundi prochain. Nous allons débuter la construction du stade qui est supposée s'étendre sur une période de un mois maximum. Et aussi, nous allons commencer la production des maillots. À
Alors aujourd'hui, même avant la fin de la cérémonie, on va essayer de faire un défilé parce que les maillots sont déjà prêts. Le Tchétchène regroupe 24 équipes de 24 différentes villes et communes de toute la Côte d'Ivoire qui vont compétir pour un seul trophée. Pendant un mois, à Yopougon, sur le stade Tchétchène. Voilà. Et comme vous le savez, il sera diffusé en direct à la télévision. Et on n'a pas besoin de revenir sur le prix. Ils font beaucoup bavarder, beaucoup de personnes, mais là, c'était juste la présentation du Tchétchène que je faisais tout à l'heure. Merci à tous. Comme je dis, j'ai tellement de choses à dire. Et là, avoir toutes ces caméras, toutes ces personnalités devant moi, c'est la première fois, donc vraiment comprenez-moi. Je sais que j'ai l'air beaucoup éveillé, mais croyez-moi, je suis petit. Voilà. Donc, vraiment merci à tous. On va vous présenter les maillots tout à l'heure, et puis on va procéder au tirage au sort devant tous les présidents et les capitaines. Mais pour l'instant, avant de continuer, j'aimerais appeler ici l'autorité qui a décidé de nous accompagner, qui nous a fait confiance depuis le début. Et je voulais qu'ensemble on se lève pour ovationner le maire de Yopougon qui est là, qui va nous donner un mot. Merci. J'applaudis Monsieur le maire résident de Yopougon, Son Excellence Monsieur Foucault Mali. Un résident de la commune de Yopougon. Bonsoir à tous. Je vais vous dire que c'est avec un réel plaisir que je me tiens devant vous à ce pupitre pour soutenir. Je voudrais dire des fonctions de l'ensemble de l'État qui, après ce premier pas, tout le système de stade chrétien et qui revient cette fois-ci avec un projet à l'Union de la communauté africaine de Maracana. Et cette communauté africaine de Maracana a décidé de mettre en compétition 24 équipes de l'université. Un conseil de potentialité de l'Union. D'activités sportives, on peut être heureux. En plus, on peut être heureux parce que nous avons vu éclore le grand star du football ivoirien. Un exemple qui va être devant moi, KSO, ça commence à être là, il a fallu passer, il a fallu passer bien parce qu'il était initié un tournoi. Et voilà que son jeu très bien, on va le plus bas. On va tout être des exemples, peut-être à la part de tout ce qui arrive à nous. On va applaudir aussi le PNJ pour qu'il va y aller, on va voir.
fondé un grand-père de la commune de Yopougon.